Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Parc des Princes pour cette 65e finale de la Coupe de France de football qui va opposer dans quelques instants l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Saint-Etienne considérée comme la capitale du football pour les dernières années en France, le footballeur de la capitale, c'est-à-dire au club de Paris Saint-Germain. Au milieu de terrain, Lemou, Boubacar, Daleb, Souriac viendra sans doute s'intercaler et puis en attaque, Toko sur la droite et Dominique Rocheteau avec le numéro 9. Voilà, c'est parti, Toko, Daleb, Souriac pour Cole. Daleb, Rocheteau, Baudouel avec Bernard Gardon, Boubacar, Souriac. Attention donc à ce coup franc de Souriac qui tire directement. Et non, M. Boko a levé la main. C'était un coup franc indirect. Castanella n'a pas bougé. Ah là, le ralenti vaut très cher. C'est-à-dire, je suppose qu'il s'agissait d'un coup franc indirect. Voilà, Daleb pour Fernandez qui va pouvoir redonner à Daleb. Non, on préfère jouer tout seul. Coup de sifflet de M. Vautreau, voilà. C'est la mi-temps. Mi-temps donc qui fait sur le score de 0 à 0. Là, c'est surtout de faire attention sur les contres parce que comme on est en train de pousser pour marquer, c'est surtout de faire attention aux contres. Si vous n'étiez pas joueur, c'est Aboubakar, pronostic là, il reste 45 minutes. Bah, il reste 45 minutes et là c'est difficile de pronostiquer. Hein. Voilà. Mais le mou du bout vraiment du bout du crâne. Ça continue, M. Vautreau laisse jouer. Daleb. C'est Toko là-bas qui s'est engagé, Daleb, Fernandez maintenant, et Souriac qui revient toujours vers le centre, donc il n'y a pas beaucoup d'ailier, encore que Cole est monté. Ah, il retourne vers son âge, je préfère ça. Cole est monté, oui. Oui, ben, Cole est monté, on fait ce qu'on peut. Centre de Souriac, c'est dangereux, Rocheteau derrière, attention à Toko, il y est, but de Nabatang Toko. On vous le répétait, Souriac est bien plus dangereux lorsqu'il évolue sur l'aile, il est capable. C'est un joueur qui est capable de déborder relativement facilement son adversaire direct et de centrer dans de bonnes conditions. Donc but de Toko. Avec l'estage, on ne perd pas de temps côté stéphanois, vous vous en doutez. Zanon. Beaucoup de vert, beaucoup de blanc. Finalement Nogues et Platini. Oh, but de Michel Platini. But de Michel Platini, égalisation pour Saint-Étienne. Et voilà, c'est fini. Monsieur Michel Vautreau siffle la fin du temps réglementaire de cette finale de la Coupe de France, 65e du nom. Sur le score de 1 but partout, les joueurs regagnent le vestiaire. On va les retrouver dans quelques instants pour demi-temps de 15 minutes. Batisson, Larios, Zanon cherche la faille. Et là, c'est la voici la faille pour Platini et but. Michel Platini qui marque son deuxième but de la soirée. Adieu fantastique de Michel Platini à Saint-Etienne et au public du Parc des Princes. Les Verts ont maintenant l'affaire en main. 30 secondes. Et sauf accident, ils devraient remporter leur 7e Coupe de France. Et c'est la 4e pour Lopez et Janvion. Oui, plus très loin du record de Marceau Sommerlin que Lillois. Oui, ce serait la 2e de Platini, la 2e de Gardon. La 3e pour Platini, ce sera pour plus tard. Hein. Et la 2e de Nogues qui avait remporté avec Marseille en 76. Tête de Battenay, Larios, non. Toko. Toujours Toko. Michel Ngom, il a 3 Stéphanois devant lui. S'il en passe un, il y en aura encore 2 ensuite. Alors ça va être très difficile. Et voilà, c'est préférable de jouer avec Souriac en soutien. Mais qui revient s'enfermer là-bas, Souriac. À Rocheteau, et but de Rocheteau. Égalisation de Dominique Rocheteau. Oh là là, extraordinaire. Alors que, oui, on jouait, le temps réglementaire était terminé, c'est important, depuis 15 secondes. Et le président Borrelli enjambe les grilles. Il court sur le terrain, ils veulent se mettre à genoux, il embrasse la pelouse. C'est grandiose. Francis est déchaîné, ce sont maintenant les pénaltys. C'est fabuleux. Et il n'y a pas que lui qui envahit la pelouse, Jacques Chirac est ravi. Ouais. Quand on vous a dit que c'était mieux que Dallas, quoi qu'on vous a pas menti, chapeau aux 22 joueurs qui nous ont vraiment permis de passer une soirée exceptionnelle, soirée qui n'est pas terminée puisqu'elle va se terminer maintenant par la série des pénaltys alors qu'on croyait que les Verts avaient la coupe dans la poche. Le temps réglementaire était terminé depuis 15 secondes et Dominique Rocheteau,
au point de pénalty, même encore un peu plus près, reprise du volet du pied droit, et remet les deux équipes à égalité, deux buts partout. Vous découvrez sur vos images le Parc des Princes, littéralement envahi, voilà, les joueurs des deux équipes regagnent d'ailleurs les vestiaires. Et à Tours, Dominique Battenet, oh, oh là là, en force, mais quelle force, mais j'ai l'impression que M. Vautreau veut refaire tirer ce pénalty, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe. Il fait un petit signe là. Ah oui, eh oui. On remet ça. Jean Castaneda aurait bougé avant, avant que Battenet. Okay. On va voir. Donc Battenet n'a toujours pas touché le ballon. Toujours pas. Toujours pas. Ah oui. Oui, mais enfin alors là c'est très pointilleux parce que ça ils le font toujours. Dominique Battenet, cette fois il y est. Ben oui. Donc un partout. Platini, ensuite ce sera je crois Fernandez. Beaucoup d'élan, Platini. Oh, oh, justesse et claquage à l'arrivée. Il a vraiment joué le jeu jusqu'au bout. Bon, bah c'est simple, on en est à 5-4. Oui. 5-4, si Fernandez rate le pénalty, c'est Saint-Étienne qui remporte la Coupe de France. Luis Fernandez. C'est dur. Ah oui. À quoi peut-il penser pour se décontracter, pour être lui-même? Il a 22 ans. Oh, oh oui. Oh, oh là 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 là. Plus sacré Louis. Plus ça va, plus on est près du poteau. Hein. Capitaine des Verts. Et arrêt de Baratelli. Ah là là, arrêt de Baratelli, c'est-à-dire que si Jean-Marc Pilorger qui s'avance maintenant réussit le pénalty, c'est gagné pour le PSG. Je vois Francis Borrelli qui fait une prière là. Ah là là. Il tourne sur lui-même, il y a Georges Dominique à ses côtés. Pilorger où on continue. Pilorger, ça y est, le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France. C'est terminé, victoire du PSG, Francis Borrelli qui est à ses côtés. Ça y est, le Paris Saint-Germain disputera une Coupe d'Europe, c'est quand même dur pour Saint-Étienne, mais cela aurait été également très dur pour PSG dans des matchs aussi intenses et aussi valables. On aimerait que les deux équipes la remportent, bien qu'on en fasse pendant deux, mais que voilà. Voulez-vous, c'est la règle. C'est la règle du... Dominique Battenet qui s'avance, qui va maintenant se trouver aux côtés de M. François Mitterrand. Voilà, si vous voulez, il y a M. Safre qui nous cache un peu la vue, mais avec une autre caméra, nous voyons tout. Et je vous laisse écouter l'acclamation du public du parc. Dominique Battenet qui serre la main de M. Jacques Chirac, de Mme Edwige Javis, et qui va vraisemblablement brandir la Coupe de France. Et voilà. Intense émotion pour le capitaine de PSG qui, à mon avis, doit avoir les larmes pas loin du bord des yeux.